Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes sur My Little Newbie pour une nouvelle aventure. Reus. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Hein. Je dis toujours pas, puisque pour ceux qui suivent un petit peu dans le fond et qui ne dorment pas, vous avez eu le droit à un mais à essayer sur ce jeu. Et vous avez voté. Et vous avez été 32% à choisir Reus. On va appeler comme ça. Et donc, c'est parti pour une petite aventure dessus. On va se faire un petit plaisir tranquillement. On va y aller en mode posé parce que c'est quand même un jeu qui est hyper relax. Et vous attendez pas de l'épicness total, mais on va y aller en mode détente tranquille pour souffler, peinard. Et puis on va mettre les pieds sous le bureau, bien croisés. On va s'étirer tranquillement, vous voyez. Voilà. Donc, Reus, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans le fond, ceux qui dorment justement, c'est un petit jeu de simulation divine. Et on passe en mode mégalomanie. Et on a donc un système, vous allez voir, assez bien rodé. Et au final, le jeu se découpe en tranches. On peut le découper en tranches de 30 minutes, ce qui est parfait pour faire de la vidéo. On a des tranches de 60, 2 heures, etc. On peut personnaliser un petit peu les parties, genre changer la taille de la planète, rajouter des... Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez lire toutes ces petites bêtises-là. On va y aller en mode totalement classique. On ne va point s'embêter. Et le bouton jouer n'est toujours pas réparé. Je sais pas si ça vient de la version française ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Sauf que c'est un petit jeu que j'ai acheté uniquement en me basant sur le... Enfin, pas uniquement tout à fait, parce que je me suis quand même renseigné sur le type de gameplay, mais quand j'ai vu le design, vraiment, la patte du truc, j'ai tout de suite eu envie de jouer au jeu. Alors, donc les petits objectifs à se faire. Très bien. On va essayer le village de pêcheurs, vous voyez. Finir une ère avec un village ayant au moins 200 de prospérité et 5 parcelles d'océan dans son territoire. On va essayer ça. Voilà, donc le jeu commence présente. On a donc nos gardiens, des titans. Je mets juste la pause pour vous présenter, puisque vu qu'on a un temps limité par R. Donc ça, c'est la planète, vous voyez. C'est vous, en fait. En gros, vous êtes la planète. C'est pas vraiment de la simulation divine, au final, parce que vous êtes une entité. Une entité astrale plutôt qu'un dieu, même si on peut confondre les deux. Et donc la planète, là, vous voyez, est complètement morte, vous voyez. Terre morte, sèche. En anglais, en version anglaise, c'est carrément wasteland. Donc c'est vraiment la terre inhospitalière au possible. Et le but, ça va être d'utiliser votre titan pour créer la vie. Rien que ça. Alors, on va commencer par creuser un océan. Un gros océan, on va faire ça comme ça. Bon gros océan. On va utiliser ce titan-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va se faire ça. Hop. On va continuer l'océan. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai bien envie de faire une seule ville, en fait. Enfin, une seule civilisation sur cette première... Sur cette première ère, on va se concentrer sur le truc tout seul. Alors, donc, on va mettre des fruits, un arbre fruitier. Posé genre au bord, là, comme ça, en espérant qu'ils se mettent à proximité. Voilà. Donc, la petite chose à savoir, comment créer la vie, en fait, c'est tout à fait simple. Hop, on va creuser ça un peu mieux. C'est tout à fait simple. Et voilà. Donc il suffit de mettre à disposition des ressources, pas forcément de la nourriture. C'est ça qui est assez rigolo, si je puis dire. C'est que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de faire en sorte à ce que vos villages aient de la nourriture. Ils vont exploiter la ressource que vous allez leur donner. Donc, par exemple, si vous faites un village dans le désert, ce qu'on verra plus tard, ou ce que vous pouvez voir sur le précédent test, c'est que dans le désert, par exemple, vous pouvez leur mettre des minéraux. Et ils vont exploiter cette ressource. Donc il n'y a pas vraiment de gestion,
gestion de nourriture à faire. Et ils ont lancé le défi de Lagrange. Donc le défi de Lagrange est en cours de construction. Il faut qu'ils aient récolté, donc il faut qu'ils aient en ressources disponibles sur leur territoire 30 et qu'ils aient pris le temps de les récolter. 1-1 et ça va nous donner plus 15 pour chaque plante dans le territoire. Ce qui est intéressant. Je sais pas si ça va nous donner ou si ça nous le donne déjà, je sais plus. Quoi qu'il en soit, on a un temps chrono, donc on va rajouter des petites plantes. Je continue à creuser mon océan, tranquillement. On voit hein, la terre, ça, je fais ça vite fait, mais la terre s'irrigue au fur et à mesure que vous faites des océans sur votre planète. Et du coup, vous allez pouvoir faire différents biomes qu'on peut mettre. Donc, dans les terres humides, on peut faire, vous voyez, les zones de forêt que j'ai fait là. Et ensuite, on peut faire du désert, on peut faire des marais. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Bon, on va les laisser récolter doucement. S'il y a, y a quelque chose à prendre en compte, c'est la convoitise. C'est très simple, la convoitise. Si vous avez trop de ressources à disposition par rapport aux ressources qu'ils ont actuellement en coffre. Là, par exemple, je suis pas... Voilà. Je leur en ai trop fait, plutôt. Voilà. Il faut, donc, vous voyez, ça se contrôle notamment avec l'adoration. Faut pas que je dépasse les 20. Sinon, la convoitise monte. Et la convoitise, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils deviennent hargneux. Et plus la convoitise monte, plus ils vont devenir hargneux et vont essayer d'aller choper les ressources des autres villages. Donc là, c'est pas très très grave puisque on a dit qu'on partait sur un seul. Mais voilà. Donc il y a plusieurs moyens de réguler ça. Notamment avec. Je vais y arriver. Avec l'adoration. L'adoration, c'est une ressource hein, comme le reste qu'on fait pousser en faisant évoluer. Par exemple, vous voyez, hop là, si je fais évoluer ces myrtilles en fraisier, ben, je vais récupérer de l'adoration s'il est à côté d'une autre plante, parce qu'il y a des combos à faire en plus. Et je vous l'ai dit, hein, c'est pas si facile que ça. Pendant ce temps, je fais mes beaux océans tranquillement, vous voyez, ça monte. Hop. L'ambassadeur de la forêt est apparu. Voilà, donc maintenant que j'ai rempli leur défi, le défi de la grange, j'ai le droit à un ambassadeur. Et on peut voir les effets qu'ils vont avoir sur mes géants. Parce que les ambassadeurs vont rallier les géants. C'est un genre de. Ben, un ambassadeur quoi. Donc, le but c'est vraiment de créer un lien entre la civilisation et mes titans. Et je veux voir. Petit aspect foliacier. Donc c'est ça qu'il faut mettre dessus. Et là c'est petit aspect foliacier également. Bon, quoi qu'il en soit, on va prendre cette ambassadrice avec nous. Pouf. Et voilà, elle est là-haut. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, c'est ça. Hein, créer des animaux. Je veux voir si on peut faire des bestioles dans la flotte. Voir si ça va les attirer. Eh oui! Des macros! Ah, c'est la première fois que je fais ça. Hop, on va te mettre un peu de côté, on va avoir assez peu besoin de toi mon grand. Donc là on grandit tranquillement. Il n'y a plus qu'à attendre que la cité prospère tranquillement vers l'océan. Alors on va faire ça.
on perd un peu en nourriture, mais l'intérêt c'est d'avoir un peu d'adoration histoire de les gagner. Mais... ah merde, c'est de la science. Je me suis trompé. Ah non, si adjacent à des myrtilles, il veut un fraisier, bah si, c'est bon. On va refaire un fraisier. Voilà. 10 points d'adoration. On est toujours bloqué à 20. Ah. J'ai fini de faire le tour en fait, non. On va faire des marécages maintenant. Alors il y a une autre solution pour contenir la convoitise, c'est de mettre des dangers à proximité, et ça on peut le faire grâce aux animaux. En utilisant les bonnes combinaisons entre les animaux qu'on va poser et les aspects, on peut créer des animaux dangereux qui vont réguler, parce que bah, les mecs ils vont se dire ah, attention, il y a quand même des bestioles dangereuses, faudrait peut-être qu'on fasse gaffe. Il me faudrait un petit buff pour les bestioles, on chante un animal, il me faut un ambassadeur des marécages et... tant pis, on a dit qu'on en faisait qu'une. On chante un minerai. Regardons un peu quand même. On chante un animal pour augmenter la richesse, ah, ça peut être intéressant. Et on chante une plante avec un aspect vénéneux. Des myrtilles. C'est bon les myrtilles. Alors, je ne sais plus quelle plante... ah bah voilà, c'est celui-ci. S'il y a des animaux proches... on va changer. Yeah, le terrain s'agrandit. Il y a les petites bouées maintenant. Il semble que votre planète tourne rond, mais sans progresser beaucoup. Vous pouvez augmenter la prospérité d'un village en plaçant des sources naturelles dans son territoire. Oui, mais c'est ce que je fais. bon, il faut annuler la plante pour changer un champ. Bim. Et bon, les symbioses, c'est bon. On connaît, on vient de les faire, justement. Et on va se faire plaisir, on va mettre des petits animaux. Exotiques, non? Alors, donc nous avons des cocottes. On va rajouter un petit bœuf. Et pouf, 25. Voilà. Hop, et la convoitise est retombée, on les a laissé un peu se calmer, on a diminué la vitesse des ressources.
Et on est peinard. Y'a pas un autre défi là, qui se pointe? Ah bah voilà. Alors, challenge plantation. Il faut 125. La ville est dans une forêt, au moins 4 plantes. Et ça va nous prodiguer des trucs plutôt cool. Donc spécialisation plus 15 pour chaque plante dans le territoire, cumulable 3 fois, donc ça c'est déjà fait. Et on a avoir le verger, plus 20 nourriture et plus 10 d'adoration pour chaque paire de pommiers, fraisiers ou poiriers dans le territoire. Donc il faut les faire par paire maintenant. Donc on a 2 fraisiers, 3 fraisiers, ben on va faire un autre fraisier. Où est-ce que je peux faire ça? Là. Et puis il va falloir poser un pommier aussi. Le problème c'est qu'il faut que je fasse attention à pas dépasser de ce côté-ci. C'est si je dépasse de ce côté-ci, on va avoir un petit nomade là qui va se pointer. Vous voyez, nomade, il y a un nomade qui se balade sur la planète. Est-ce qu'on peut le voir? Non, on le voit pas. Je croyais qu'on pouvait le voir, mais bon. Quoi qu'il en soit, si le mec il trouve des ressources qui sont pas sur le territoire de quelqu'un, il rush dessus. Donc il faut faire attention. C'était là. Bim. Voilà. Donc là on a une bonne paire, on a 2 paires. Et on va poser les pommiers ici, tant pis on n'aura pas la symbiose avec la bestiole, en tout cas tout de suite. Tant pis. Intéressant, on va pouvoir essayer de se faire un petit verger avec les poiriers. On va tester ça. Le coup du verger, on va tester ça là sur le côté. On va essayer de comboter tout ça là. Et on a méga de marge là. Toujours plus 20 plus. Oh là là. L'ambassadeur de la forêt est apparu. On va le mettre sur. Parce que je n'ai pas besoin de deux. Alors, on avait dit. Enchante un minerai. Enchante un animal. Voilà. On va essayer sur les macros. Voir ce que ça donne. Si on a du saumon, des trucs comme ça. Qu'on peut les faire évoluer. En Scardiae, je connais pas. Scaridae, pardon. J'ai plus de richesse et de science. La science, on n'a pas besoin, j'ai l'impression pour le moment. Et on peut avoir des castors. Ah bah non, c'est pas celui-là. Petit instinct du chasseur. Ah bah c'est aspect exotique, d'accord. Bon. Bah je suis trompé. Faisons évoluer ça en poirier. Ok. Là on est bien, on est à 20.
ça monte tranquillement. Le territoire s'étend pas de ce côté-là, ça m'agace. On va pas réussir à avoir, il nous reste un petit quart d'heure. Oh, la place du village est vraiment jolie. Frostville, j'avais pas fait gaffe. On va remplacer les cocottes. Remplacer les cocottes parce qu'elles ne servent pas à grand chose. Elles ont pas de symbiose. Non, elles ont pas de symbiose. Juste de la nourriture et de l'adoration pour chaque plante adjacente à ce poirier. Donc on va continuer à bourrer de poirier. On va essayer de faire un verger de ce côté-là, voir si 3 suffisent. Sinon, on fera un verger encore de l'autre côté. Parce que, mine de rien, ils sont hyper productifs ces poiriers à la con. On est combien en... Okay. Il faut qu'on arrive à 250 en prospérité. Ah, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Ça ne prend pas effet. Ça, c'est un peu le truc dommage, c'est qu'on est obligé de casser tout le machin qu'on a fait si on se trompe dans les combinaisons. Oh, je peux mettre un troisième. Faisons-nous plaisir. Boum, 38. Là, je comprends pas parce que... Aspect foliacier, on va mettre ça. Et il veut pas non plus. T'as fini de faire le sagouin, le jeu? Oh, s'il vous plaît. Écoute, on va passer par le fraisier. Hein. Regardez, je mets la même combinaison qu'on a là. Et il veut pas. J'ai quoi? J'ai un nombre limité de poiriers par terrain? Comment ça se passe? Non, là j'ai le droit. Je suis perplexe. C'est quoi déjà la symbiose? Myrtille du fraisier. Bon, tant pis. Ce sera pas opti, tant pis. Pour ceux qui demandent pour la prospérité, ceux qui pourraient se demander, la prospérité c'est le total des ressources cumulées. On va améliorer tout ça. Un peu ce qu'il veut, j'ai l'impression, le jeu. Oh! Quand tu veux, mon gars.
Voilà, quand il atteint les 250 avant, on n'aura pas le pêcheur, tant pis. On le fera plus tard. Hein, ça doit être ça le coup des... Ok, j'ai compris le coup des vergers. C'est le... C'est le, la symbiose, le fait que ils prennent le fait que tu puisses vraiment comboter comme un gros pourrin sur les poiriers. Wow. C'est-à-dire que nous avons un succès à valider. Où il faut faire une aire avec 450 de prospérité totale. Donc ce ne sera pas pour cette aire-ci, sachant qu'à la fin d'une aire, les titans s'endorment. Et on reprend un certain temps plus tard, un peu comme si c'était une éternité, mais presque. Et on reprend là où on a laissé les humains se débrouiller tout seuls, en fait. Ça y est, on a les 250, on a au moins ça de validé. J'aimerais bien que ça grandisse maintenant, mais... Ce serait un jeu parfait pour faire de l'ASMR. J'en toucherai deux mois à pastille. Ah, il nous reste 5 petites minutes. Sauf que là, tout ce qu'on... Ah, voilà, ça continue à avancer. Je voudrais que ça avance dans l'océan, s'il vous plaît. Je sais que c'est possible. Essayer de refaire un poirier. Ok, je piche pas. Je piche pas pourquoi il veut pas faire le poirier là-bas. Peut-être parce que je suis au bord de l'eau. Je vois que ça. Mes macros là, hop. On va les faire évoluer. Peut-être que ça va attirer un peu les. Alors, habitants du récif, plus un richesse pour chaque. Autre type de poisson dans le territoire, d'accord. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir monté l'adoration, c'est que là on est vraiment tranquille. Ils sont zen, ça continue à pousser, vous voyez, on a vu une tente pousser comme ça d'un coup. Alors j'ignore totalement jusqu'où ça peut aller le jeu au niveau de l'évolution de la civilisation. J'ai fait que quelques parties et j'ai... Je crois que j'ai fait qu'une seule partie où j'ai continué après en fait. Où j'ai fait une ère... J'ai fait une seconde ère derrière. Parce que c'est j'aime bien moi le côté... vraiment début de... le début du jeu est vraiment, vraiment agréable. C'est tout zen, c'est tout tranquille, tout mignon. Pouf, ça continue de pousser. J'adore. Ça veut pas. Ça ne veut point.
taxer comme une grosse brutasse. C'est peut-être le... Non, ça m'étonnerait, mais... Peut-être le fait que j'ai posé un poisson là, sur le bord, que ça va pas. Non, je sais pas. Ça va faire, c'est qu'entre cet épisode-ci et le suivant, je vais faire une petite recherche rapide. Ce qui cloche, parce que mine de rien le village il a bien poussé de ce côté-ci, et de ce côté-là il avance plus, il a 3 cases, enfin 4 en comptant la plantation. Cinq parcelles d'océan, franchement. Oh, un poirier. Je vais oublier de faire une évolution. Pouf. Voilà. Ils ont plus ou moins. J'ai l'impression que c'est random en fait la qualité de l'aspect. Là on a le potent fruit aspect. Et juste là, toujours le potent. Vous voyez là on a juste le lesser fruit aspect. Je pige pas. Est-ce qu'il faut piffer jusqu'à ce qu'on ait les bonnes combinaisons? Je trouve ça un peu absurde, ça m'étonnerait. Ah, c'est bien ça. D'accord, il faut que j'arrive à avoir... Ouais, sur chacun de mes... C'est ça, sur chacun de mes poiriers, j'ai un... J'ai un fruit aspect... vert. Et du coup, ça marche. D'accord, ok. Bon, bah, c'est noté. Nos titans vont aller se coucher. Et nous allons nous quitter d'ici peu. C'est marrant, ils ont pas de bras. Ils ont des mains flottantes comme Rayman. Qui, pour la petite anecdote, a des mains flottantes uniquement parce que ces fichus développeurs bretons indépendants. Ah, ça y est, j'ai une territoire dans l'océan. Oui, ces fichus développeurs bretons indépendants se sont rendu compte que c'était moins difficile à animer s'il n'y avait pas de bras. Donc du coup ils n'ont pas fait de bras. Comme tous les personnages du premier Evan. Les gens commencent à perdre leur énergie, ils s'endormiront dans une minute. Alors je sais pas si cette parcelle appartient au village. On dirait pas. Bon, en tout cas c'est cool, on a réussi à avoir enfin une parcelle dans l'océan. On sait que ça va approcher, ça va arriver tranquillement. On va continuer à mettre des trucs dans l'océan. Puis... Ça va arriver tranquillement. Ah non, il s'est endormi. Il s'est endormi d'abord. Je me demande, est-ce qu'il va reposer l'ambassadeur avant d'aller se coucher ? C'est la grande question. Et ben non. Et voilà, civilisé. C'est fait. Level up. On peut débloquer plus de projets. Donc les projets, c'est
Ah. On va tenter celui-ci, agriculture, en utilisant que des animaux et des plantes. C'est ce que j'ai fait, non? Ah, peut-être que vu que j'ai de la science, d'accord. Ça doit être uniquement nourriture. À moins que ce soit les trucs déjà faits. C'est les trucs déjà faits, je dirais, oui. Level up, ok. Bon, bah, c'est parti. C'est nickel. On a fait un joli petit village à 334 de prospérité. Et il nous faut encore 14 développements pour atteindre le prochain niveau. Eh ben, on va tenter ça. De toute façon, les développements, il nous en faut encore un sacré tas. Vous voyez, il nous en faut 69 pour débloquer la partie d'une heure qu'on se fera peut-être en guise de finale dans cette série, éventuellement. Moi, d'ici là, je vous donne rendez-vous pour la suite très bientôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit village supplémentaire pour récupérer des ambassadeurs différents. Probablement un village du marécage, hein, vu qu'on aime ça de toute façon. Et n'hésitez pas à partager, laisser un commentaire, des remarques, hein, si vous avez même. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous. Non, vous n'allez pas voter parce que je vais continuer tout de suite l'épisode suivant. c'est con. Tant pis. Mais vous pouvez toujours suggérer si vous avez des envies particulières en rapport à ce jeu des attentes, hein, si vous voulez voir des trucs particuliers. N'hésitez pas à vous manifester et partager, hein, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la litanie. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la suite. D'ici là, portez-vous bien.